À la veille de la rentrée scolaire à Bamako, tout comme à l'intérieur du pays, les marchés sont pris d'assaut par les parents d'élèves à la recherche de kits scolaires. Ici, au marché d'Ibida, en commune 3 du district de Bamako, les librairies sont animées par les parents d'élèves à la quête de fournitures scolaires pour leurs enfants avant la rentrée 2024-2025 prévue pour le mardi 1er octobre 2024. C'est très important de venir quand même chercher les matériels à la librairie. Au lieu d'acheter au dehors les détails de un à un, c'est plus mieux de venir chercher ici en tout avec la liste pour l'école. Munis d'une liste de fournitures scolaires bien détaillée, ces parents d'élèves n'ont pas eu de difficulté à acheter les kits scolaires adaptés à leurs enfants. Ça te permet au moins de connaître ce qu'il faut acheter et de programmer tes dépenses et venir acheter ça au niveau des boutiques. C'est plus simple que de venir chercher un à un. On a acheté plusieurs choses, les sacs, les compas, les cahiers. Est-ce que les grands formats, quoi. Donc tout ce qui est nécessaire à la rentrée scolaire. Pour le directeur de l'école publique de Bolibanan, dans l'académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche, tout est fin prêt pour accueillir les élèves. En outre, il appelle les parents d'élèves à ne pas attendre les jours de la rentrée scolaire pour entamer le processus d'inscription de leurs enfants. Le jour de la rentrée, les parents viennent remplir la cour, on n'a même pas le temps de travailler. Donc je les demande de venir dès maintenant, on fait tout ce qui doit être fait dans le cadre des préparatifs. Maintenant, le jour de la rentrée, on commence directement les cours. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, la leçon modèle choisie par le ministère de l'Éducation nationale porte sur l'entrepreneuriat. Une leçon qui sera enseignée le jour de la rentrée dans les établissements fondamentaux, secondaires, techniques et professionnels sur l'étendue du territoire national.